C'est vous, Quinn? Hey, c'est moi. Jensen, c'est ça? Personne vous a suivi, j'espère. Non, pas que je sache. Ouais, je veux bien le croire. Ils ont un sacré mal à vous suivre. Et j'espère bien continuer comme ça. Ouais, vous avez quand même fait un sacré raffut. Ils savent tous que vous êtes là, planqués sur le bateau. Ils vont vite appliquer ici, armés jusqu'aux dents, pour mettre fin à votre petite balade. Ça va faire mal quand ils vous tomberont dessus, j'espère que je serai loin. Bon. Keitner m'a dit que vous pourriez m'aider. C'est le cas? Ouais. Elle m'a prévenu que vous passeriez. Mais il y a une éternité. Qu'est-ce que vous foutez au juste? Nous, on risque notre peau à détourner l'attention et à couvrir vos traces. Le camouflage, c'est bien joli, mais quelqu'un va finir par se poser des questions. Heureusement qu'elle vous a donné accès qu'à ce secteur. Je sais pas où vous iriez vous fourrer, sinon. Ok, ok. Revenons à nos affaires. Il paraît que vous êtes le roi en matière de marchandises clandestines. Ouais. On peut dire que de temps en temps, il m'arrive d'avoir des petits... comment dire... des à côté. Officieusement. Vu que c'est le lieutenant qui vous envoie, vous pouvez jeter un œil à mon stock. Mais faudra payer. Ah bon? C'est pas gratuit? Hein? Bien sûr qu'il va falloir payer. C'est pas une foutue armurerie, moi, que je tiens ici. Je suis juste un employé qui arrondit ses fins de mois. Je fais pas la charité. Au vu des circonstances. Les circonstances? Quoique, vous êtes un fugitif, et que je risque ma peau rien qu'en vous causant? Vous vous croyez où, là? Ou alors, vous n'avez rien à voir avec ce module de survie qu'on a sauvé sur le bateau? Qui vous a parlé de ça? Ah, alors c'était vous, hein? Bon, disons que j'ai mes sources et que votre élan de générosité n'est pas passé inaperçu. Vous savez quoi? Je veux bien vous faire une petite ristourne, mais pas de cadeau ni de crédit. Maintenant que j'y pense... Si vous voulez des trucs gratuits et que vous n'êtes pas contre un peu d'exercice, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Considérez ça comme une offre spéciale. Ça vous intéresse? Pas de remboursement ni de garantie. Vous cassez, vous payez. Merci d'avoir acheté chez Quinn. Tiens, revoilà mon meilleur et temporairement unique client. Très bien, parlez-moi de cette offre spéciale. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette base dispose d'une sacrée puissance de feu. Surtout avec ces méca-gardes qui traînent partout. Si vous me rapportez 2-3 trucs, je vous fabriquerai quelque chose qui vous facilitera un peu la vie, si vous me suivez. De quel genre d'outil on parle là, au juste? Rien d'extraordinaire. Juste un LRP modèle 329,
Un lance-roquettes ? Dans le mille et mille. Amélioré, bien sûr. Par votre humble serviteur. Vous voyez, même si j'arrive à mettre la main sur quelques petits calibres, j'ai plus de mal quand il s'agit d'obtenir de l'artillerie lourde. Et j'aimerais tester un nouveau genre de tir à propulsion. Peut-être aussi recalibrer le système de guidage pour donner plus de puissance. Ça, ça me plaît. Et comment que ça peut vous plaire, mon gars? Ça déchire. Bon, tout ce que vous avez à faire, c'est me trouver des pièces. Je ferai le reste. Un bateau est passé avec des 329. Mais j'ai pas pu mettre la main dessus avant qu'ils arrivent à l'armurerie. Coup de bol, un de mes associés a réussi à en égarer un pendant un transport de maintenance. Mais il s'est fait choper avant que je récupère le colis. Mon petit bijou est peut-être quelque part dans la base en petits morceaux. Le lance-roquettes, pas le mec. Mais lui aussi, il est peut-être en pièces. Ok, donc en gros, vous voulez que je récupère les pièces et que je vous les rapporte. Voilà, vous avez tout pigé, c'est ça. Trouvez-moi juste le module de tir, le tube de lancement et le module de visée, et on sera bon. Pour le reste, je me débrouille avec de vieux stocks. Je crois que j'ai déjà trouvé quelques-unes de vos pièces. C'est bien ça? Ouais. Faites voir ce que vous avez là. Nom de Dieu. Vous avez tout. Donnez-moi une seconde et je vous prépare tout ça bien proprement. Et voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il vous fallait autre chose, sinon ? Qu'est-ce que vous faites ici exactement, Quinn ? Dans un monde plus civilisé, je serai un peu le responsable maintenance pour la base. Mais si vous adoptez le point de vue de Bell Tower, je suis plutôt une sorte de super concierge de luxe. Enfin, ça paie pas mal, alors je me plains pas. Si ça paie bien, pourquoi faire du trafic ? Pourquoi pas ? En fait, les civils sous contrat dépendent d'une autre juridiction quand il s'agit de faire entrer de la marchandise dans la base. Alors, si les sous-fifres ne disposent que du minimum vital, comme du dentifrice, moi et mon brillant esprit commercial, on nous propose une ribambelle de différents biens et services. Vous voyez le genre? Des clopes, de l'alcool et de la littérature masculine. Et les armes dans tout ça? Laissez-moi finir. Comme je suis un entrepreneur, je demande toujours un petit quelque chose en échange de ces fournitures plus que dispensables. Et je récupère souvent de la marchandise qui n'est pas vraiment destinée aux civils sous contrat, si vous me suivez. Bon, d'habitude, j'écoule mon stock grâce à un contact sur le continent. Mais j'ai une affaire qui vient de capoter à Shanghai, donc par chance, j'ai pas mal de camelotes à refourguer. Faites comme si notre arrangement était un petit concours de circonstances. Et Geithner, elle ferme les yeux. Pas tout à fait. Vous voyez, il y a quelque temps, le lieutenant a appris que je trafiquais par ici. Mais avant qu'elle me fasse mettre en cabane, et je lui ai proposé quelque chose qu'elle ne pouvait pas refuser. Des informations. C'est pas pour me vanter, mais j'ai réussi à me créer un beau petit réseau de contacts et d'indics. Et je savais depuis longtemps qu'elle s'entendait pas avec cet abruti de Burke. Au final, on est parvenu à un accord mutuel plutôt simple. Je lui file les infos, et elle essaie de sauver mes vieux os, en quelque sorte. Parlez-moi du lieutenant, Geithner. Lieutenant-colonel, officiellement. Mais les mecs d'ici s'en fichent. Pour eux, c'est juste le lieutenant. C'est les durs qui s'en tiennent à ce genre de formalité. Les hommes de Burke. Les espions. Forces spéciales. On peut parler d'une sorte de loyauté divisée parmi les troupes. Entre celle de Geithner et de Burke? Ouais. Il y a toujours eu une espèce de rivalité entre les soldats réguliers et les forces spéciales. J'ai toujours cru que c'était une question d'ego. Mais là, c'est différent. Parce que Burke est différent. C'est-à-dire? Déjà, pour commencer, ce mec est peut-être bien un abruti, mais ses hommes le respectent. Et pour les chefs, c'est un visionnaire à cause d'une super technologie qu'il aurait découverte il y a quelques années. Résultat, ce mec a une sacrée influence, et beaucoup de pouvoir, et... Bon, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette base? Vous en savez autant que moi, je dirais. Aux yeux du monde, c'est le QG naval de la logistique de Bell Tower et point de ravitaillement pour leurs opérations dans le Pacifique. Officieusement, c'est... bien plus que ça. C'est-à-dire? Écoutez, le prenez pas mal, mais je préfère laisser le lieutenant vous transmettre les infos. En ce qui me concerne, moins j'en sais, et le plus important, moins j'en dis à ce sujet, mieux ce sera pour nous tous. Vous voulez quoi? On ne rembourse pas. Alors, toujours en vie. Que voulez-vous?
Apparemment, vous n'aimez pas beaucoup Bell Tower. Donc si vous pouvez faire quoi que ce soit pour m'aider à sortir d'ici vivant, ce serait sympa. Parce que je vous aime bien et que ça gâcherait ma journée de pouvoir vous faire tuer ou capturer. Vous pouvez jeter un œil à mon stock spécial. Normalement, je le réserve pour un autre client, mais si vous payez... Vous payez ou vous dégagez? On ne rembourse pas. Accès autorisé. Accès autorisé. Accès autorisé.
Accès autorisé. Espèce de salopard. Ça se prend pour un caïd parce que c'est dans les opérations spéciales. Accès autorisé.